Après, je suis bête, mais le vibrante, il n'y a pas moyen de le faire en... Ouais, mais il faut l'énergétique à l'œil. Donc autant le faire directement dans la smelterie. Ça, on gagne du temps. Donc ça, je le sais, le vibrante, faudra le faire, entre guillemets, à la demande. Bon. Oh, les fusées de quartz, hein, ça, voilà. On va le faire quand même, le craft, de base. Alors attendez, parce que ça c'est du craft. Ça c'est du induction smelter. Ces trucs-là c'est du craft. Donc on aura ça. Qui va donner ça. Donc on est d'accord. Donc on a le deuxième niveau. Mince. C'est ça. Donc il me faut celui-là. Donc j'ai le basique, le double, l'octadique. Et c'est bien l'octadique qu'il me faut. Ok. Et maintenant, il me manque ça. Mais ça, c'est dans le slice and splice qui demande de toute façon des niveaux du joueur. Donc ça se fait à la demande. Ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire comme ça en automatisme, ça. Parce que ça demande des niveaux de joueur. Bon, on peut déjà en vrai automatiser beaucoup de choses. Ce qui est pas trop mal, hein. Donc on peut faire ça. Voilà. Et puis on va mettre ça dans le smelt, dans le l'induction smelter. Et justement, ça tombe très bien. Puisque des. Alors, par contre, je n'ai pas de graines d'affinité là-dedans. Il va me demander les graines d'affinité. Si j'en ai encore. J'ai plus de graines d'affinité. Va falloir genre farmer. C'est chiant. C'est chiant à farmer. Mais ouais, j'ai plus de graines d'affinité. Il va falloir que j'aille en farmer dans l'Overworld. Alors ça, pareil. Ça, pareil. Infinité. Là, ça, la graine of Infinity. Donc. Et ça, et j'ai vu, donc, il y avait. Je sais pas ce que c'est, ça. Là, ça. C'est ça. Le Firewater. Il y aurait moyen qu'on automatise la production d'Affinity avec ce truc-là. Le truc, c'est. Comment ça se fait? Apparemment avec le VAT. Avec le VAT d'Underio. C'est d'autres colorants. Mais ça s'envisage. Exivat. Ça a pas l'air extrêmement compliqué à créer. Bon. La question c'est, est-ce que je commence à trimballer tout ça là-dedans. Parce que, quitte à faire, autant aller crafter tout là-bas plutôt que de faire encore des allers-retours là qui traînent et qui traînent. Bon, pour le moment, on va se faire le VAT, on va essayer de le faire. J'avais pas le fuit de tank, bon, bah, c'est pas grave, je vais le faire. Hop, il me manque un furnace, c'est pas grand-chose. C'est pas encore très compliqué à faire. C'est bon, là il me faut l'induction smelter, il me faut la machine machin et il me faut une graine d'affinité. Donc là je suis coincé. Il va falloir obligatoirement que je retourne dans l'overworld avec un briquet. On va juste aller chercher une graine d'affinité pour se faire ça et après on va automatiser la production de Hein, parce que voilà. Hop, on va aller donc au spawn. Ah, le jeu a crash. Allez le jeu. Allez le jeu. Oh le. Remarquez, vu le temps que je tourne, il n'est pas impossible que je commence à saturer mon disque dur.
Je dis ça, c'est ouais, ça m'étonnerait beaucoup, hein, j'ai beaucoup d'espace. Alors, j'ai encore de l'espace, mais ça diminue, hein. Bon, allez, s'il te plaît, j'ai juste cherché une graine d'affinité, c'est chiant à faire. Quand le jeu répondra, je reprendrai l'enregistrement. Ah bah ça y est. Ah bah ça y est, ça, j'ai même pas eu besoin de couper. Hop, voilà. Alors, hop. On va juste en allumer. Voilà, on devrait. Oh, j'ai encore ce. Non, ça veut pas. Allez, là, d'habitude, il n'y a pas de souci, là. J'en ai au bout de quelques clics, là. Ah, quand même. Toi, t'es idiote. Bien. Quand même. Ok. Alors, le vat. Donc, il me manque juste la machine casing. Si. Là, ok. Et donc, ça va se passer dans l'induction smelter. Induction smelter, j'ai dit. Ok. Et il me faut un autre truc qui est. Donc, c'est le dernier truc. C'est le truc qui va être le plus chiant. Qu'est-ce qui. Il me manque tout. Bon, du quartz pulvérisé. Il va me manquer du. Bah non, du lapis, je vais en avoir. Et il va me falloir. Ouais, du cactus, certainement. Du cactus, je dois en avoir. Voilà. Et. De l'organique dye, alors ça se fait dans la Lost Belter avec. Ouais, c'est pas compliqué. Hop. Il me faut. Alors, est-ce que j'ai encore du pulvérisé de charbon là-dedans? Oui, j'ai encore du organique dye eye. Il va me falloir du lapis. Attends, j'avais plus de lapis là-dedans. Ah si, j'ai du lapis. Ok. Il doit falloir le pulvériser à mon avis. Il faut que je pulvérise du quartz aussi, je crois. Hein. C'est ça, il me semble. Je vais revérifier. Tac, tac. C'est ça qu'un enfer avec ce truc. Donc, il faut que je pulvérise du quartz. C'est ça. Il va me falloir organic gray eye. Il me faut du colorant vert que je mélange avec du charbon et une slime ball. Bon, ok. Donc, il va me falloir des slime balls. Ça, voilà. Pas de soucis, bah, il va en falloir plusieurs. Il faut que je hop, pulvérise un petit peu de charbon. J'ai pas pris le charbon. Bon, on va déjà se pulvériser. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et mon charbon et le son qui redéconne. Ça me saoule. Mais hé hey oh, c'est chiant ça. Ok, il faut que. Non, j'ai pas. Oui, si, j'ai besoin de. Oh, j'ai besoin de combien? C'est chiant, c'est un enfer à retenir. Du coup, il m'en faut. Deux par truc et il m'en faut deux. Donc pour le moment, j'en pulvérise quatre. Et c'est ça, et le lapis, il fallait que je le pulvérise aussi. Faut que je pulvérise tout, quoi. C'est ta gueule que j'ai pulvérisé, ouais. Mode de merde. Tiens, un peu de sulfure avec. Oh, j'ai le son qui déconne, c'est chiant. Je vais me racheter un nouveau casque. Je vais le commander tout à l'heure. Alors, le VAT.
Oui, alors il y a cette solution-là, c'est vrai. Mais surtout qu'il me faut ça. Il me faut du verre et donc ça, il faut que j'aille chercher des cactus et tout ça, j'en ai au builder. Mais qui est boulé! Ah, c'est vrai, faut le faire chauffer lui. Bon. On va faire chauffer, c'est pas un problème. Est-ce que j'en profiterai pas? Vu que je suis là. Ouais, non, j'ai l'inventaire trop plein. Mais lui, il en est où là? Il est encore full, je suppose. Ah, il est encore full. Enfin, je le vide. Mais bon. Hop. Base. Donc, il faut que je fasse chauffer le cactus. Non, c'est pas là, c'est là. Donc, faisons chauffer le cactus. Alors, il me faut. Ah, qu'est-ce qui me manque? Le pulvérisé de lapis, je l'ai. Ok, dans l'alloy smelter, il va me falloir. Alors que je fasse ça. Bon. Donc, on a l'organic green eye, c'est bon. Allez, allez, dis-moi qu'on a tout, dis-moi qu'on a tout. Et arrête de m'emmerder avec ces trucs-là. Oui, et en plus tout ça m'en fait 6. Dont je me servirai jamais, mais c'est pas grave. Induction smelter. Ah, attendez, on n'est pas au bout de notre surprise. Parce que là, on a le VAT. Super. Et rappelez-moi ce qu'il faut pour... Il faut un capacitor. Comme d'habitude. Capacitor. Hop, un basique. Ça fera bien l'affaire. Hop. Oh bah d'accord, ok. Un clic droit, ça fonctionne aussi. Et ce qu'il fallait, c'était... C'est pour faire de la fire... Fire water. Water, c'est blaze powder. Redstone. Et il faut du hotch. Du hotch, ça se fait avec de la water, des patates et du sucre. Ok. Donc on va aller chercher de l'eau. J'espère qu'un seau ça suffira. Ça, et donc j'ai dit. Alors, j'ai dit patate. Et sucre. Alors, patate et sucre. Ok, c'est ça, hein? Non. Faut plus de patates. Alors j'espère juste qu'il n'en faut pas beaucoup plus. Ah, puis le truc, c'est que ça défile un peu vite, hein, pour expliquer comment on fait. Alors ça, autant c'est simple. Mais le hotch, alors, seed et melon. Ok, sinon, seed, cigare. En vrai, les melons auraient été plus compliqués. Ah, poisonus, ouais, ou des patates normales. Ah oui, mais il faut 4... D'accord, ok, excusez-moi. Ok, il va falloir 4 seaux d'eau. Le deuxième. Troisième. Et le quatrième. Oui! Ça fonctionne. Ah, attendez. Que j'ai pas de mauvaise surprise. Un seau pour un seau. A soul for a soul. Alors. Blaze et Reston. Blaze. Et Reston. Hop. Blaze. Et yes. Bon. Donc ça, ok. Maintenant, il va me falloir de quoi récupérer les trucs. Donc pour ça, il va me falloir des vacuums. Un chest quand même. Ah ouais, je suis allé déjà à ce point. J'ai tout envoyé là-bas tellement... Ok. Non, pas de soucis, pas de soucis. Petite chest.
Voilà. Hop. Bon, on va le crafter ici, hein, qu'il va faire. Évidemment, j'ai pas ce qu'il faut ici. Et le chest est de l'autre côté. Allez, ramène le chest. C'est pour ça qu'avoir deux tables de craft, c'est un peu chiant. Hein. Bon. Alors. Hop. Yes. Et on va aller foutre ça. On va tester. Hein. Donc on va mettre ça dans une zone là un petit peu. Voilà, comme par exemple ici. Hop, ça a l'air pas mal ça. On va mettre le vacuum chest ici. Voilà, super. Et puis, eh ben, on va mettre. Par-dessus. Alors, oui, je vais m'éloigner. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Alors, évidemment, c'est pas fulgurant, hein. C'est le but, hein, que ce soit moins fulgurant que. Mais l'idée, quand même. Alors, je vais juste se mettre, parce que quand je suis ici, voilà, hein, se mettre un petit effet night vision, histoire que je mette 5 minutes. Enfin, je mette. Ouais, je mette 5 minutes. Ça marche. Non. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça va nous farmer pour nous du. Bien fait, je merde. Ça me saoulait de revenir ici à chaque fois pour. Ah, pour juste farmer. Ah, purée. Ah, je suis content. Et vu que j'ai un chunk loader en haut. Voilà, c'est super. Ça a marché. Ça a marché tout seul. Que demande le peuple? Bon. Bah, je vais laisser tourner, hein. Ça, je vais laisser tourner et puis bah on va. Alors on va faire un aller à la base rapidement. On va vider notre stuff. Et puis je vais aller m'occuper un petit peu de mon builder. Et à terme, eh bah, tous ces trucs-là, on va les foutre là-dedans. On va même commencer, ça y est, à foutre tout notre merdier là-dedans. En mode plus rien à carrer. Parce que sinon. Bon, il y a 2-3 trucs, on va laisser dans les coffres quand même. Parce que voilà, mais sinon. Après, c'est une furnace, on s'en fout. Piquette, voilà, bon. Même les ardennes de conduite, hein, tout ça, je vais. Hop. Ces trucs-là, on va les foutre dedans aussi. Même ce qui sera plus vraiment craftable. On s'en fiche un petit peu. Hop. Alors pour le moment, je vais quand même laisser ça là. Il y a ça. Hop. Ouais, il y a des briquets, mais il y a d'autres trucs. Bon, voilà. Après, il faudra que j'envoie tout ça. Voilà. Où en est le storage? C'est bon, ça. J'ai l'impression que ça s'équilibre avec. Bon, puis il va falloir que je termine d'upgrader tous les drawers, bien évidemment. J'allais m'occuper rapidement de mon builder. Alors, le builder. Bon, on va récupérer tout le black déjà pour commencer. On va récupérer les flints. La clé. Ah, la clé en brique, il y a ça que je dois rajouter à mon crafter aussi. Tant que j'y suis. Donc il y a tout ça. Les terres rares, on va prendre aussi. Il y a un peu de quartz qui traîne. Ça. Il y a de la glowstone. Des fils. Du draconium. Mais, bordel. Ok. Alors déjà, toute cette partie-là, on sait, ça ira dans le système de drawer.
Pas de soucis. Ok. Ensuite, on va vider un petit peu tout ce qui est abeille là, parce que c'est. Quoi ça? Cave Spider. Ok, d'accord. Parce qu'évidemment, il a croisé un mineshaft. Bien sûr. Alors que je revienne avec un item duct et que je mette un. Oh purée! Alors ça c'est la boulette patron. Bon, c'est pas grave. Déjà là on y voit déjà un poil plus clair. J'ai envie de dire. Si c'est. Bon. Il pourra encore fonctionner encore un bon bout de temps. Après, il y a plein de trucs. Ça là, j'aimerais les décrafter. Hein, je les ai gardés parce que j'espérais pouvoir les décrafter. Mais quand l'une crafting table elle marchera, j'ai envie de dire. Pour le moment, j'ai vidé les quelques ressources. Après ça, en soi, le resonating, il peut m'aider, je crois. Des présonances. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais ça peut être utile. Ici, là, pareil, il y a ça. Hop. Ça, c'était dans le mineshaft. Pareil, hein, c'est idiot, mais pouvoir les décrafter, ça ramène du fer. Même si c'est pas ce qui me manque, voilà, quoi. Par contre, le jeu, il me troll, hein. Il me ramène des blocs de redstone, nickel. Donc, résultat, je suis obligé de changer le filtre. Et là, maintenant, il me ramène de la redstone normale. Il les fait plus en... Il les met plus en bloc. Tout pour m'emmerder, quoi. Enfin, bref. Allons-y. J. Hop. Base. Ah non, je pensais que le Resonating Under, je. Enfin, le Resonating Or, je l'avais mis. Ok. Ok, pas de soucis. Hop. Commencer par tout ce qui est Certus. Le Flint. Ça. Ça rentre, ça rentre. Ça aussi. Ça aussi. Hop. Ça, le quartz. Hop. Voilà. Eh ben. Alors, on en était où? Il me semble que. Ah, ok. On en était là. Alors, je me fiche juste la ligne du dessous, mais. Ok, donc on en est sur la ligne du drawer qui est là. Alors, il y a aussi autre chose que je voudrais mettre, c'est. C'est quand on fait le. Voilà, ce craft-là. Il est banal, hein, mais voilà, histoire que. À la limite, on va mettre celui-là plus loin. Ah là, on va mettre le crafter, là. Hop. Et donc là, si je lui demande, il doit être capable de me le faire maintenant. Le 60K storage. Là, 60K storage unit. Si je lui demande de me le créer, il en est capable. Et si je lui demande de m'en créer 6, est-ce qu'il en est capable? White sand? Qu'est-ce qu'il me demande du sable blanc? Ça doit être dans le dernier craft que j'ai fait, que je lui ai demandé. Non, bah non. Ah! Me dis pas que quand je lui ai demandé de. Parce que je lui ai demandé de faire du verre, lui. Ah, purée. C'est du sable normal qu'il faut. Alors, process. Ça, donc. Glace. C'est du sable normal, voilà. Hop. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Hop. Voilà. Une poudre du sand. Hop. On recommence. Donc, 64 storage. Charbon 6. Il manque rien. C'est parti. Ah oui, évidemment. Il y a plusieurs crafts en cours, résultat. Mais bon, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire.
Après, je mets niveau de quartz, je pense qu'ils vont. Ils vont en prendre plein la tronche. Oh. Il me dit que j'en ai assez, hein, donc normalement ça devrait être bon, hein. Mais on va serrer les fesses, hein, niveau quartz, je pense, hein. Va falloir que je mette un builder dans le land. Ah d'accord, ok, il a carrément absorbé pour s'en servir. Bon bah de toute façon maintenant il fait sa petite tambouille avec ça, hein, honnêtement. Il fait sa tambouille, hein. C'est pas mon problème. Hein. Question, est-ce qu'il m'en a déjà fait un, hein? Non, c'est toujours en cours. Bon, bah c'est en cours, hein, c'est tout. Ok, on va continuer à vider un petit peu tout notre merdier là. Ça va peut-être pas. Ouais, si. Alors, ouais, tout ce qui est gimlet, les trucs comme ça. Non, le Luxe Saber, il va rester là. Ça aussi, ça aussi. Ça, ouais. Tout ce qui est sel, on va le laisser. Ouais, on va laisser tout ça. Ça, j'en avoir besoin. Ce que je considère comme des outils, surtout. Qu'on va laisser. Enfin, qu'on va pas. Oui, qu'on va laisser là. Qu'on va pas. On va pas les foutre. Ok, donc ça pareil. Obsidienne. J'ai encore des Mechanical Crafters ici. Ah, j'ai encore des médiums create ici. Ok. Déjà tout ça. Question, les Golden Lasso. Ouais, il les met à part. Bon bah donc ça c'est chiant. Ouais, bon. Mais il y a deux, trois résultats, ça fait un petit peu absurde le tableau, mais bon, c'est. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ici. J'ai encore des Thunder Generators ici qui traînent. Non, ces trucs-là. Comme les Golden Lasso. C'est pareil, on s'en fiche. Jungle Wood. Non. Ça non. Ah oui, je l'avais crafté le portal gun. J'avais fait ça pour les films, mais ça. Ouais, attendez, ça pareil, on va le laisser là. Tout ce qui est mob machin, voilà. Ça, c'est la redstone. Et l'angel ring. Hop. Deux chats. Hop. Ah ouais. Il y a des trucs qui sont un peu débiles. Bon, est-ce qu'on remplacerait pas ça par un pulvérisateur? On va commencer à pulvériser, enfin à faire tout ce qui est pulvérisé. Ouais. Oh, vas-y, tout ça là, voilà. Alors, question. Les 64 casques, il a commencé à me les faire. Non, toujours pas. Par contre, les upgrades. Ouais, bah ça continue à se faire quoi. Hop. Alors. Si c'était pas fini. Ouais, bon, on arrive au bout, hein. On va bientôt tous les avoir upgrade, hein. Et ben voilà. Ah, quasiment. Allez, il reste les deux derniers. Il reste les deux derniers. Et ben voilà. Et bien voilà. En vrai, plus j'ai réfléchi et plus je me dis ces trucs-là vont peut-être virer, hein. Si j'arrive à faire du stockage assez dingue, faut voir. Bon, hop, on va essayer de faire un pulvérisateur. Un pulvériseur. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque trop de choses. Allez, hop, c'est parti. En fait, je vais m'enquiquiner, mais à chaque fois, je vais faire un. Je vais faire un pattern à la con. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut à notre pulvériseur? De quoi faire des pistons. Et c'est tout? Il lui manque juste le craft des pistons. Ok, d'accord. À mon avis, non. À mon avis, si, la machine frame, on l'avait fait. Ouais, la machine frame, on l'avait fait. Donc, c'est pour ça. Le piston.
Alors le piston résultat, on va le mettre peut-être sur un truc un peu plus proche. Ouais, bah ok, d'accord. Allez, un petit peu levé. Donc de la cobblestone. Je suis à court de cobblestone. Alors, on a. Allez, c'est parti. Quand tu veux. Et ben tout ça, on va commencer à rapatrier. Hein. Hop, je mets tout en bloc pour que ce soit plus facile à trimballer dans mon inventaire, hein, c'est tout. Ok, électrum, le bronze, quelques ingots. Après, ça devient plus anecdotique déjà. Bon, il y a deux, trois trucs. Ça, c'est chiant, ça. Hop. Il y a deux, trois trucs juste. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait du fertiliseur dans mon inventaire. Et je manquais de dirt ici. Hop. Ouais, tout ce qui est là, là. Hop. Ok, suivant. Hé hé. Eh ben, ça y est. C'est fou, là. Donc, la question. Ouais, alors, je suis en train d'envoyer des arcs là-dedans, mais. Ah, j'avais pas vu qu'on avait le temps, là. Alors, c'est pas le temps qui reste. C'est. Machine doesn't accept item. Oui, parce qu'elle est utilisée par le quartz. Ça va arriver. Là, c'est parce qu'elle est déjà utilisée en fait. C'est pour ça. Utilisée parce qu'il y a encore masse quartz qui doivent être créés pour mes. Ouais, ça peine. Résultat, je pense que ce sont les basic drawers qui vont arriver en premier parce qu'il n'y a pas besoin de faire cuire quoi que ce soit. Falloir peut-être que les upgrades finalement va peut-être les falloir hein. Et lui par contre parce que là je fais déjà le maximum hein, c'est du thermal hein. C'est du thermal expansion ouais il y a que ces upgrades là hein. Après c'est les tinker construct donc en soi à part passer en signal homme mais je vous dis il me manque quelque chose. Il me manque ça, là, le cryothéon, là. Tac, tac, tac. J'ai été trop loin, là. J'étais trop loin. Signalum. Tac, tac. Blitz. Donc, il y a ça. Ça va être... Il y a le séparateur, mais le séparateur, c'est... C'est pour les abeilles. Donc, enfin, la centrifugeuse. Oui, bah du coup j'ai mes drawers, j'ai ma building hand. Zut, ouais. Je vais mettre légèrement comme ça. Et on va voir un petit peu si les slaves arrivent à s'en sortir. Alors par contre, on va voir si les slaves arrivent à envoyer dans ces drawers là. Hop, bon ici il me reste des trucs de toute façon. Ok, hop, et ça, et ça. Ça envoie pas, hein. Ça envoie pas. Mais on peut prévoir éventuellement un deuxième mur. On met un deuxième contrôleur à un bloc d'espace pour que pas que ça touche. Et puis après, bah, on relie aussi le. Avec un external, c'est envisageable. Hein. Ça, c'est envisageable. Hein. Parce que là, visiblement, les slaves, ils n'arrivent pas à envoyer ici. C'est trop loin du contrôleur maître. Les slaves, c'est vraiment d'interface en fait. Bon, on apprend des choses. Par contre, résultat, ouais, c'est un peu débile. J'ai tout upgradé, mais il y a des trucs, il y a des. Il y a des drawers qui contiennent des éléments que de. Enfin, qu'un seul élément, quoi, quasiment. Là, par exemple, il n'y a qu'un seul élément. C'est un petit peu dommage, le truc. Mais bon. À terme, peut-être qu'on le détruira et qu'on foutra tout dans. Dans des. Hop.
dans des storage. Oh, bah, faut juste que ça prenne le temps, hein, c'est tout. Faut juste que. Et en plus, hein, c'est. Lui, je veux dire, il déconne zéro, quoi, niveau temps. Donc. Est-ce qu'un furnace plus gros. Parce que je sais qu'il existe le. En furnace. Ah, on n'a pas le Rainbow Furnace? Parce que je sais qu'il y a le Rainbow Furnace qui est juste débile. Bah décidément pourtant ce mode met tellement de trucs débiles habituellement que là non pas ça par contre on n'a pas le Rainbow Furnace bon pourquoi pas ça aurait été drôle qu'on l'ait mais bon parce que le Rainbow Furnace le truc c'est qu'il cuit stack par stack ce qui est débile ce qui est absurde donc voilà quoi mais bon c'est pas grave on va le laisser On va laisser notre Reson Furnace faire son travail. Sauf que les crafts vont arriver, quoi. Bon, bah écoutez, on va mettre notre plan à exécution, résultat. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Quoique. Ah, j'hésite. J'hésite. Soit je fais une deuxième mur de drawer. Remarque, rien que pour le style, parce que je trouve quand même que c'est classe. Un mur de drawer, ça reste classe. Et de toute façon, on y a accès là-haut, quoi. C'est pas grave, quoi, en soi. Donc, on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça en vrai. Mettre un autre. Hop, ici. Et on va aller se faire un. Hop, on va le mettre. On va le faire ici. Alors, il me faut un drawer. Un drawer contrôleur. Il me faut. Ceci. Alors il m'en faut deux. Ah d'accord, ok. Pas de souci. Donc il m'en faut deux, voilà. Hop. Et donc là. Voilà. Mon petit drawer contrôleur, pas de souci. Est-ce que j'ai. Non, mes câbles, j'ai dû les ranger, résultat. Et là, il me faut un external storage. Ce qu'il me faut. Alors, on va le faire. Hein. Parce que je sens que de toute façon, il va en falloir de temps en temps. Et normalement, il y a tous les ingrédients sont déjà prévus. Alors, par contre, eh ouais. Et c'est drôle, ouais, bah oui, parce que le quartz, en fait, c'est ce qui découle de tout après. Parce qu'après, évidemment, bah, ça, faut bien que ça cuise. J'ai du silicone en attente. Enfin, le. Donc, ouais, c'est ça. Donc, en fait, le silicone qui est en attente. Parce qu'on attend ça. C'est un peu idiot, hein. C'est que je peux même pas l'aider, en fait. Je suis obligé de le laisser faire son travail lui-même, parce que si jamais j'injecte. Moi, du silicone, enfin, je fais cuire du quartz avec mon autre furnace et que j'attends. Il va pas considérer que c'est lui qui l'a fait et donc il va pas considérer comme étant dans la tâche. C'est un petit peu idiot. Bref. Si, alors, déjà, il y a un fil rouge qu'il faut qu'on aille revoir. C'est eux là. Parce qu'à mon avis, oui. C'est quasiment plein. Bon, hop. On va déjà envoyer ça. C'est long. Non, sérieusement, speed upgrade, il n'y a pas. Enfin, je peux pas mettre une speed upgrade là-dedans. Extra utilities. Non, c'est pas compatible ça. Ouais, faut le résonateur. Ouais, faut le résonateur et les GP de mort là. Alors, mis à part ça. Dans tout ce qui est. Refined, est-ce qu'on peut prévoir déjà des upgrades? Ce qu'on avait crafting upgrade, tout ça. Question ça là. C'est. Ouais, alors. C'est con. Parce que. Ouais, il y a l'Enderium Ingot. L'Enderium Ingot, c'est un peu chiant. Faudrait réussir à le faire. S'il n'y a pas 36 solutions pour le faire. Ah, pas.
pas l'air si compliqué que ça. Il y a de l'alloying. Lead. Eh, platinium. Et c'est pour ça qu'il me faut du platinium. C'est parce qu'après, ça va me servir à faire de l'andorium. Et l'andorium, c'est pour les upgrades maximales. Et donc là, il va me falloir le platinium. Donc il va falloir que je passe mon... Alors, je suis en train de réfléchir. C'est pour mon nickel. J'ai peut-être envisagé à ce que mon nickel, je le pulvérise. Le truc, c'est après, est-ce que... Ouais, en fait, après le pulvérisé de nickel, je le mets à cuire et puis c'est bon quoi. Alors, par contre, quand je pulvérise, ouais, hein, j'en récupère deux et donc dans tous les cas, je double dans tous les cas ma quantité de nickel. Je pense qu'on va commencer à travailler là-dessus. Il va me falloir donc un deuxième pulvériseur. Ce qui est un peu con, j'en ai déjà en attente. Mais il va en falloir un deuxième. Là, est-ce qu'il se cumule? Un requested. Est-ce qu'il a juste refusé parce que... Est-ce qu'il manquait quelque chose? Non, ou c'est juste que... Putain, mais lui aussi, résultat, il galère là. Bon, bref, c'est pas grave. Hop! Donc... On va faire ce que nous envisagions. Et évidemment, oui, la dernière ligne, elle est trop loin du contrôleur en haut, là. Donc on va hop, supprimer cette dernière ligne-là. On y mettra quelque chose, on trouvera bien. Ok. Voilà. Bon, bah, quand on aura un external... Faudrait que je me trouve un truc à mettre là. Là, ça fait un trou, c'est dégueulasse. Ou alors, faudrait que mon contrôleur, je le descende d'un bloc. On trouvera quelque chose à mettre en bas. Allez, on en est où là? Les 64 storage, est-ce qu'au moins t'en as créé un? Non, non plus. Pulvériseur, non, il n'y en a pas non plus. Et le dernier, c'est l'external, mais non, l'external, il n'y en a qu'un et il est toujours en création. Le quartz, c'est quasiment fini. Une fois que le quartz est fait, au moins... J'ai envie de dire, le plus gros effet, quoi. Ça y est. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il a balancé? Il y a 300 sables à faire cramer! Ah, cet enfer! Il y a 300 blocs de sable à faire cramer. Bon, en attendant, il y a des trucs visiblement qui bossent quand même. Mais Ouais, j'ai pas vu, il y a 200 basic processeurs. Oh, on n'en a pas fini. J'ai laissé tourner le jeu tourner des heures là. C'est ça qui met du temps, c'est la cuisson. Mais bon, ça fait partie du truc, hein. Ça serait moi qui crafterais à la main, ça serait pareil, hein. Ça serait exactement pareil. Donc, est-ce que j'ai encore des trucs qui arrivent là? Ah, j'ai le nickel. Donc le nickel, après, l'idée, ce serait de mettre un pulvériseur là. Qui pulvérise voilà, le nickel quand il arrive. Le fait cuire. Alors, le platinium, faudra le récupérer. Donc d'un côté, je récupère le platinium. De l'autre côté, je fais cuire le nickel. Et tout ça, je le refais repartir dans le... Donc le nickel pulvérisé, si vous voulez, je le fais cuire, et puis c'est réglé, quoi. Et il me reste pas, hein. Je suis en train de réfléchir, mais celui-là, là, il est... Ouais, il est pris. Il est pris par quoi? Par l'aluminium. Ouais, il y a que celui-là qui est libre, et je m'en sers pour les alliages. Bon. Parce qu'après, en soi, bon, je pourrais laisser le... À l'état pulvérisé, hein, le nickel, ça pose pas de problème. En lingot, c'est mieux quand même pour le stocker. Ouais, pour le stocker, en lingot, c'est mieux. Mais bon.
Bon, est-ce qu'on relance des drawers en attendant, parce que de toute façon on a le temps. Hop, on va lancer 64 drawers. Il les a pas... je crois que j'ai échappé trop vite. Ouais. J'ai échappé trop vite, j'ai pas eu le temps. Il me manque des wack. Ok. Et donc, des drawers. Ah mais si vous saviez comment je me suis fait chier à ancrer des drawers pendant les 3 semaines de jeu là que j'ai lancé. C'est vrai que ce truc-là, ça simplifie énormément la vie quand même. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Bon. Alors. Ça va, il en a déjà fait une centaine. Et en attendant, j'ai quand même les crafts qui se font. Après, voilà, hein, c'est tout, c'est que... Ah, il considère qu'il y en a 4 en processing. Ah, j'espère que ça se... Que ça se mélange pas trop. Oh, j'ai déjà fait la moitié de mes drawers. Alors, on est à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça va faire un autre carré comme ça. Deux drawers. Et non, tu me rends ça, s'il te plaît. Hop. Sympa. Et je pense qu'on est arrivé au bout. Non. Le dernier vient d'arriver. Les deux derniers. Ouais, bon, bah, je peux faire deux rangées de plus, quoi. Même pas une rangée de plus. Alors, il m'en manque 24 plus 12, 36. Sachant que j'en ai 8 sur moi, il m'en manque 28. C'est quand même assez dingue comme truc. Hein. C'est surtout l'intelligence derrière que j'irais en vrai. C'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu comme truc. Voilà. Presque, je crois. Manque quelques-uns. Ouais, voilà. Et c'est ça. Ça en fait 12 sur moi. Ça fait la ligne complète. Y aurait même moyen d'en mettre un troisième. Bien. Bah écoutez. Je pense qu'on va laisser. Je vais laisser tourner. Comme ça, on aura au moins tous nos disques. On aura l'external storage qui va arriver. On pourra mettre un pulvérisateur là. Et je vais commencer à gérer le nickel pour pouvoir avoir du platinium et commencer peut-être à avoir l'andorium. Je vais partir à la chasse au Blitz. Essayer de voir où est-ce que ça apparaît dans ce nouveau mode pack. Et parce que sinon ça spawnait naturellement à une époque. Et puis on va. Et puis voilà. Et puis on refera le point. Bah certainement dans une semaine. Parce que entre. Voilà. Pour vous, ça sera quasiment maintenant. Pour moi, ça sera dans une semaine. À bientôt. Ok, donc. On se retrouve. Donc, j'ai fait une troisième, un troisième cluster d'Under Generator, mais on va y revenir. Et je suis en train de faire. Donc déjà, j'ai commencé à délimiter ce qui sera le deuxième étage de ma base. Donc voilà. Donc là, le premier étage, on complétera, hein, on complétera au fur et à mesure quand il y aura des choses à faire. Mais l'idée, c'était qu'ici, pour le moment, ce soit un espace de entre guillemets de travail avec les ressources accessibles et un petit espace de travail. Bon, on complétera avec d'autres choses ici. Donc il va y avoir un sol qui va venir ici. Je l'ai déjà fait les
les quatre contours avec de la stone slab, de la sandstone slab, comme à l'étage précédent. Voilà. Et autre chose, j'ai donc fait partir un câble donc d'ici, un câble donc qui est lié à Raffinate Storage. Et à chaque intersection, donc au coin là-bas, on les voit légèrement en bleu, il y a ces petits wireless transmetteurs qui me permettent, avec le wireless crafting grid, de pouvoir avoir accès à toutes mes ressources. Et même de lancer des crafts à distance. Ce qui est assez cheaté. Donc il a suffi de crafter, ça demandait un grid, ça demandait voilà, 2-3 trucs. C'était pas très compliqué, j'ai fait les crafts en automatique. Et après, pour le linker, il faut faire un majuscule clic droit sur le contrôleur pour linker votre wireless crafting grid au contrôleur. Et après, bah, il peut communiquer avec les wireless transmetteurs. Donc j'en ai mis à chaque intersection. Ils sont tous upgradés au max avec des ranges. Hop, si je regarde, voilà, avec des ranges upgrade. Donc, j'ai accès à mes ressources partout sur ma base. Pas de souci. Par contre, dès que je quitte ma base, c'est mort. Je n'ai plus accès à toutes mes ressources. Ah, il y avait encore du stuff qui traînait là. On va juste le jeter rapidement. Voilà. Alors ici, je suis donc en train de prévoir, c'est la zone de spawn, donc j'ai mis là des signalums platés de Fluiduct, donc comme en dessous. Au départ, j'avais prévu un quadrillage comme celui-ci, qui m'a coûté un rein, clairement, et je me dis, ben non, autant faire des lignes, et donc je mettrai, donc ça va être à chaque fois deux lignes de mob spawner, donc là, et après je vais m'arranger avec les grinders, alors j'utilise toujours les anciens noms, hein, mais voilà, les grinders voilà quoi, pour délimiter les zones de spawn. Mais déjà, premièrement, je suis en train de refaire cette grille-là. Et pendant que je faisais mon troisième cluster de d'Under Generator, je me suis dit, mais ah non, c'est Extra Utility. Je pensais que c'était Thermal Expansion. Pourquoi je me suis dit que c'était Thermal Expansion? On va quand même essayer. On va quand même essayer. C'est l'idée. C'est éventuellement. Est-ce que ces machines-là, est-ce que c'est upgradable? Non, ça ne l'est pas. Bon, ok. Non, bah c'était une question à la con. Je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était du thermal, mais non, c'est Extra Utilities. Bref, voilà, c'était un détail. Mais voilà. Ça aurait été drôle qu'on puisse les upgrade. Mais bon. Parce qu'on est. Ah oui, après. Ouais, c'est speed upgrade après. Les speed upgrade de Extra Utilities, mais c'est chiant à faire. C'est chiant parce qu'il faut le résonateur. Et le résonateur, ça marche avec des. Avec des GP à la con, là. On l'a, hein, mais. On pourrait en faire quelques-uns, c'est juste que c'est chiant, quoi. Faut pas le poser ici, quoi. Faut pas le poser ici, sinon c'est emmerde plus qu'autre chose. Faudrait faire ça dans l'Overworld, en fait. Voire même dans la Twilight, en fait, pour être tranquille. Bref, ici ça tourne toujours, et puis voilà. Donc je suis en train de bosser là-dessus. C'est un enfer, et puis donc j'ai fait déjà tout ça de signalum pour rien, en fait, parce que, ben, là, je suis en train de nettoyer les grilles. Et après, il va falloir que je fasse les mobs spawners. Enfin, voilà. Il va falloir. Enfin, les mobs duplicators, ça s'appelle comme ça maintenant dans le nouveau mod pack. Mais voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de temps pour tourner là. Après, voilà. Donc. Et sachez que voilà. Ça. Ah oui, et il y a une dernière chose que je devais vous montrer. Je me suis crafté un petit truc avec un laser drill. On peut se crafter un petit truc et c'est en train de me pomper à blinde d'énergie. Vous l'avez peut-être vu. Voilà, j'ai fait l'Infinity Drill que j'ai pu tester un petit peu dans le Nether pour pouvoir les récupérer de la bah, du quartz tout simplement.
Et c'est juste débile. C'est complètement débile. Ça défonce le nether. Et quand on mine, en plus, ça détruit les sources de lave. Donc, on détruit les sources de lave avec ça. Donc, c'est absolument débile. Voilà, donc là, je peux monter à 9x9 pour le moment. J'ai mis cet upgrade-là qui me permet de pouvoir recharger extrêmement vite, mais tellement vite. Que ça me bouffe 18 000 RF par tick. Donc, mes énergies cell ne suivent pas. Et donc là, j'ai tous mes clusters qui sont en train de se vider. Pourquoi lui serait. Il se remplit même pas, lui. Pourquoi il se remplit pas? Parce que je devrais peut-être faire ça. Attendez, hop, on va résoudre juste un tout petit souci. Hop, on va faire ça. Et on va couper ici. Voilà. Là, il devrait. Ouais, c'est bon. Il se remplit. Il se remplit plus qu'il se vide. Ok, c'est bon. Voilà, là c'est pareil. Bon, mais au bout d'un moment, ça va finir par pomper celui-là. Hein. C'est juste absurde. Donc de temps en temps, j'enlève l'upgrade. Juste pour laisser respirer un peu mon système. Parce que là, c'est. C'est juste infernal en fait. C'est. Ouais, là, ça suit plus du tout. Là. Ça ne suit plus du tout. Donc pour le moment, je vais l'enlever. Je vais attendre que ça se remplisse un petit peu. Et je la remettrai tout à l'heure. Mais. Voilà quoi, j'ai déjà mis 1 milliard de RF là-dedans quoi. C'est. Enfin presque 2 milliards, c'est débile. Et donc, ouais, et donc si je vous montre le. Donc l'Affinity Laser Drill. Hop, laser. Je vais taper drill tout simplement. Donc c'est celui-là. Donc pour se crafter, bon bah c'est besoin d'un bloc de diamant, d'un bloc de fer, du laser drill en question, et de faire un black wall tank, qui est vraiment pas compliqué, hein, c'est juste du plastique, des underrides, des underpearls, enfin voilà, c'est pas très compliqué à faire. Hop, et surtout voilà, des pink slime ingots. Et ça se fait dans une machine qui s'appelle le fluid serving machine. Donc ça je l'ai faite ici, et évidemment bah, vu que j'avais encore du pink slime ici. Bah voilà, hein, simplement, quand j'en ai besoin, je mets un lingot d'iron ici, et ça me sort donc les fameux ingots pink slime là. Et voilà, ça a été très très simple à faire, et la machine en question, elle est pas compliquée à faire. Hein, elle est pas. Ça, à la limite, c'est pas. Voilà, c'est vraiment pas le plus dur, quoi. Voilà, mais c'est juste absurde, hein, ce laser drill là est juste efficace, est juste débile. Alors, il y a donc, comme je voulais vous montrer, donc, on commence, on fait du 1x1, voilà, ensuite du 3x3, du 5x5, du 7x7, du 9x9, du 11x11, donc là, pour le moment, voilà, j'en suis là, hein, au tiers épique. Quand j'aurai passé les 3 millions, les 3 milliards, pardon, de RF, je serai à 11 sur 11. Alors, sachant que ça consomme de l'énergie, donc plus on s'en sert, plus on est susceptible de descendre en tiers. Faut faire attention. Puis à la fin, on a l'artefact qui est en 13x13 x13. Donc là où les autres faisaient des murs de 11x11, le tout dernier tiers, lui, c'est carrément un cube de 13 de côté. Débile!